Les fruits nous intéressent ? Il est facile pour nous de classer les fruits par couleur, rouge, vert, par type, fruits à noyaux, agrumes, baies ou n'importe quel autre critère. Notre cerveau fait cela en permanence, en utilisant et en combinant toutes sortes d'informations que nous avons apprises. Si on nous montre des images, des dessins ou des photos, nous sommes en mesure de reconnaître des fruits familiers, même si la couleur est modifiée ou si l'image est inversée ou étirée. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'images, nous n'avons que du texte? Et si les noms des fruits changent? Et si l'on ne nous donne que des acronymes ou le nom du fruit dans une autre langue? Il s'agit alors d'un véritable défi. C'est précisément ce qui se passe dans le monde des données professionnelles avec les titres et les descriptions de postes. Nous sommes confrontés à des acronymes, des synonymes, des fautes d'orthographe, des langues différentes, des titres créatifs et des exigences en constante évolution. Et pourtant, nous voulons que nos données, dont le nombre ne cesse d'augmenter, soient ordonnées et traitables. Pas seulement par des personnes, mais aussi par des machines. Nous voulons transformer nos données non structurées en informations propres, validées et exploitables, c'est-à-dire en données intelligentes. C'est précisément ce que font les classificateurs brevetés de Jounce Technology. Vous pouvez les utiliser pour convertir vos données RH complexes et non structurées en données fiables et standardisées, comparables, validées et enrichies de métadonnées exploitables, ce qui améliore radicalement la qualité de vos données. La classification s'appuie sur l'analyse de multiples dimensions et de leurs relations, telles que le secteur d'activité, les compétences ou la fonction, ainsi que sur la normalisation, c'est-à-dire la traduction en un langage commun des divers vocabulaires des différentes parties prenantes, offres d'emploi et profits des candidats ou des employés. En fonction du cas d'utilisation, Jounce propose différents classificateurs. Les classifier. Dans cette courte vidéo, nous allons décrire les plus courants. Par exemple, si vous souhaitez simplement obtenir la classification standard d'un titre de poste, disons que des statistiques nationales ou d'entreprise, des benchmarks salariaux ou des processus d'analyse RH, etc. Le title classifié est le choix idéal. Si vous vous intéressez davantage au contenu global d'une offre d'emploi, comme les compétences ou les responsabilités associées, le titre de l'offre ne suffira pas. Pour cela, nous avons développé le classificateur d'offres d'emploi à entités multiples. Il analyse toutes les descriptions de postes en texte libre, identifie et répartit toutes les entités connues ou celles qui intéressent le client, telles que la profession, les compétences, le type de contrat, le salaire et bien d'autres, dans un ensemble de classes prédéfinies. Pour classer une offre d'emploi selon plusieurs taxonomies, et systèmes de classification internationaux, utilisez notre classificateur d'offres d'emploi en ligne. Il détecte l'intitulé du poste dans l'annonce et renvoie l'entrée la plus proche dans chaque système de classification désiré, ainsi que le code de classification et d'autres informations utiles. Si vous souhaitez restructurer des offres d'emploi ou améliorer les résultats de votre analyseur syntaxique, utilisez notre classificateur Sectioniseur. Celui-ci classe les différentes sections d'une offre d'emploi en fonction du contenu. Sections telles que la description du poste, les fonctions et les qualifications. Au lieu d'appliquer des règles ou heuristiques, la segmentation se base uniquement sur la sémantique, c'est-à-dire le sens de chaque région, en utilisant des modèles d'apprentissage profonds spécifiquement formés. Cela améliore considérablement les performances ainsi que la robustesse vis-à-vis de différentes mises en page, style d'écriture et domaine d'offre d'emploi. Enfin, notre classificateur de compétences. Ce classificateur détecte le contexte sémantique de chaque aptitude et connaissance afin de vérifier sa signification dans chaque cas particulier et pouvoir fournir un synonyme standardisé, non ambigu, ainsi que le niveau de cette connaissance et les compétences apparentées. Tous nos classificateurs sont multilingues et offrent des fonctionnalités uniques et des performances exceptionnelles sans équivalent sur le marché. Ils peuvent être utilisés via l'interface Jounce Jobs API et nous pouvons facilement les adapter à vos exigences individuelles. Si vous aussi vous souhaitez générer des informations exploitables pour votre entreprise grâce à des données vraiment intelligentes, contactez-nous.